l'amfiteatro Romain de Lecce. Aujourd'hui, nous pouvons admirer seulement un quatrième de la surface de la construction. Les spécialistes datent l'amphithéâtre entre le 1er et le 2e siècle avant Jésus-Christ pour entretenir avec ce spectacle les soldats qui tenaient garnison dans les alentours de la ville. Entre le 6e et le 10e siècle, furent démolis successivement en terrain. L'amphithéâtre se trouve à 4-6 mètres dessous le niveau routier actuel. Il y a une arène d'environ 53 pour 34 mètres pour une éclipse de 102 pour 83 mètres. Il compte parmi les plus grands amphithéâtres d'Italie. Puis il y avait un podium, un passage autour de la circonférence de l'arène. Il pouvait accueillir jusqu'à 20 000 spectateurs distribués sur les mia cavea, les trois premières marches, la media cavea et plus en haut la summa cavea, aujourd'hui totalement absente. Un velarium repéré des rayons du soleil. Le sedile è da un palais de la Vieille-Ville de Lecce e situé dans Piazza Sant'Oronzo. È remont au 6e siècle. À côté de cela, il y a l'église de Saint-Marc. Jusqu'en 1850 était la mairie de la ville, mais aujourd'hui est destinée à des expositions. La colonne de Saint-Oronzo ne va 9 mètres de haut e située dalla place omonima Lecce. La sommité est dominée par la statue du Saint, sculptée à Venise en 1739. Le directeur des travaux a été l'architecte Giuseppe Zimbalo, qui a construit aussi les basements en pierre. Le Dôme est la cathédrale de la ville de Lecce. C'est l'une des cathédrales les plus importantes d'Italie, tant par son rôle religieux que par la richesse de son patrimoine artistique. Il a été construit en 1144 par ordre de l'évêque Formoso pour satisfaire la volonté de l'évêque Voltorico. Le dôme actuel possède deux façades baroques. La façade latérale est articulée sur des ordres enrichis par les statues de Saint-Janvier, Saint-Ludovic et de Saint-Pierre et Paul. Sur la façade principale, il y a de riches décorations et on peut admirer des niches. L'intérieur de la cathédrale, dont le plan en croix latin, comporte deux hôtels baroques. Entre 1661 et 1682, Zimbalo construit aussi le clocher de 70 mètres de haut, l'un des plus hauts d'Europe, qui flanque les dômes de la ville et ses environs.